Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Donc là, on va tester le masque bulle de chez Action. Alors, je vous dirai ce que moi j'en pense, toi aussi d'ailleurs. Excusez-moi pour ma gorge, je suis malade donc. Voilà. Alors, on a lavé notre visage et voilà. Il faut laisser combien de temps? Donc, appliquer une fine couche sur le visage en évitant les contours des yeux, de la bouche, etc. Comme mais ça, c'est les sachets, on les a ouverts, alors, sont comme ça déjà. Appliquer sur une fine couche moins régulière sur le visage. Bon, on va l'appliquer. Il faut laisser combien de temps? Et après, on le laisse entre 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Alors. Ensuite, on est censé masser son visage pendant 1 à 2 minutes et puis rincer. Donc, on va commencer par le mettre. Moi, j'attaque. J'attaque. Ouais. Attends. C'est comme une petite gelée. Donc, je mets une couche, je vais retirer mes yeux. Là. Ça sent bon, mais il faut voir après si c'est vraiment ça. Ça agit comme ils disent. Quoi. Je continue ainsi, je vais être un professionnel du masque. Bah non, mais on aime bien tester. On dirait que j'ai mis de la chantilly sur mon visage. Ah, ça est bizarre. Bon, ça sent bon, hein. Ça. Bon, là, ça sent bon. Moi, ça mousait, hein. Ouais. Ça mousait, déjà. Par contre, je le fais aussi à ma fille Gwenalinol. Je lui fais aussi, elle a 13 ans. Et je lui fais aussi. Oh, regarde son monsieur, j'en ai plein. Ouais. Je ne suis pas la reine des neiges pourtant. Ouais, regarde ça. On a dit que ça chatouille. Ouais, ça fait. Bah, ça fait la mousse. Ah, mais ça me gratte, moi. Ça te gratte? Ouais. Ouais, attends un petit peu. Évidemment. Pas toi? Non, pas du tout. Évidemment, si on sent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Une gêne, on l'enlevera. Il est, hein. Il est fort. Fort chatouillant. Ouais. Chatouillant. Est-ce que ça se dit? Chatouillant, bon, enfin, ça chatouille. Je sais pas en France comment ils disent, mais. Ça fait guilic. Ouais, c'est vrai que ça. Ah, ça me gratte, moi. Ça fait des bulles. Non, ouais, mais c'est pas gratté dans le sens négatif. Non, moi, ça me chatouille. Non, ah non, non, non. T'as acheté ton truc, toi? Oui, il est là. T'as tout mis dedans? Ah, j'ai tout mis dans ma face. Ouais. Alors, donc on doit laisser poser pendant 5 à 10 minutes. 10 minutes. Alors on fait. Donc Zezette et Félix après reviendront et vous direz ils vont dire leur avis. Voilà. Je rigole parce que mes filles sont derrière, sont en train de rigoler, entre guillemets. Tu vois, je dis que ça chatouille. Et c'est. Enfin, c'est pas agressif, hein, ça chatouille. Non, mais c'est. Je sais pas, ça fait des bulles et ça. Ouais, et ça, ouais, me gratte, ça te gratte aussi. Non, gratter, non. Non, moi ça me gratte pas. Ah, moi ça me gratte. J'ai même envie de l'enlever, moi ça me gratte. Si ça te gratte, tu l'enlèves, hein. Ah. Bon, voilà, si ça gratte, elle l'enlevera avant l'heure. Tu veux l'enlever? Ah, ça fait. Ah, ouais, mais ça fait c'est des rien, bulles, ça, mais bon, ça me gratouille, quoi. Ça te gratouille? Bah, ouais. Moi, non, ça me gratouille pas. On dirait que l'enlever? On dirait qu'on a mis la chantilly dessus. Bon, on dirait qu'on est sorti dans la neige. Petit bonhomme de neige. Oh. Dès qu'on touche, tu vois. Ça fait titi sur le visage. C'est ce qu'elle disait Julie Rose, que quand ça grattait, que ça faisait le. Un peu des petites démangeaisons. Ouais, c'est ce qu'elle a dit aussi. Ouais, démangeaisons, non, c'est pas démangeaisons, on va dire. Non, 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 mais ça. Ouais, ça fait clic, 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 clic. Ouais, ça fait. Vous sentez. C'est donc on se retrouve après. Voilà. Soit j'aurai. Soit elle l'aura peut-être enlevé avant ou on écourtera peut-être parce que 10 minutes avec des chatouillis ainsi, c'est pas très. Enfin, pour moi, c'est pas très agréable. Hein, du non, plus, non, non, c'est pas très agréable. On laissera peut-être que les 5 premières minutes et on reviendra et on fera le reste de la vidéo. Parce que ça gêne. Hein? Je vais l'enlever, ça me gratte trop. Oui, ben, elle va l'enlever tout de suite. Ben, elle l'enlève tout de suite. Ça rien, tu peux couper si tu veux. Oh non, ça gratte. Là. On dirait que j'ai. Ben, on va dire, franchement, on a enlevé le masque. Personnellement. Moi, j'adhère pas. Voilà. Ma peau est sec par rapport aux autres masques qu'on a fait chez Action. J'aime pas. Personnellement, pour moi, c'est vraiment un flop. Moi j'aime pas.
Après, On ne leur a pas laissé 10 minutes. Hein. Franchement, non, ça gratte au c'est gaz. Trop. Pour moi, ça me gratte. C'est une sensation beaucoup trop désagréable. C'est comme si vous aviez des petites bulles de savon qui pètent en permanence sur votre non, visage. Non, on doit être à des fourmis ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est pas des bestioles. Oui, des bestioles, si vous voulez. Mais bon, ah, si, mais. On va dire des petites bulles qui éclatent. Ouais, mais bon, ouais. Ça chatouille. Mais à c'est, fond, ouais. C'est une sensation que. Enfin, personnellement, je n'ai pas aimé, donc je l'ai enlevé. Maintenant, dire qu'il va ou qu'il va pas, franchement, non, pas sérieux, agréable à sérieux, mettre... Sérieux, regarde, ma peau, elle est sèche. Oui. À l'odeur, il sent bon. Il sent très bon, il est facile mais, à appliquer. Moi, l'odeur, je m'en fous. Ça fait de la mousse, mais la sensation de... Il n'y a pas de sensation agréable en attendant. Alors, 5 minutes avec un masque qui vous... Donc, ça, non. Qui vous est désagréable, ben, on a cherché longtemps après. Ouais, c'est vrai, en plus. Et d'abord, on a... peu déçu, enfin déçu. Moi je suis déçu. On va dire qu'on est déçu quand même du petit masque. C'est quand même un peu. Enfin, moi j'aime pas la sensation. Ouais. C'est pour ça que j'ai même enlevé avant les 10 minutes. On l'a regardé exactement 4 minutes. Ouais. Hein, j'ai rincé. Ouais, ils disent de 5 à 10, hein, donc 4 minutes. Bon, je l'ai rincé, j'ai massé, ça rentre facilement dans le visage, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais l'odeur, ça va, mais c'est la sensation sur le visage, ça fait un peu bizarre. Voilà. C'est pas agréable. Voilà. Enfin, nous, on n'aime pas. Il y a des gens qui aiment bien les gliglics et les chatouillis. Eux, peut-être qu'ils aimeront bien, mais nous, non, on n'aime pas. Donc, Par contre, je tiens à préciser que j'étais chez un Action ici en Belgique, je n'ai pas le nom parce que du magasin, enfin, le magasin ici Action. Mais où j'étais, j'ai demandé pour faire un vlog, c'est ça, ce matin. Un vlog, oui. Et en fait, ils n'ont pas voulu. Donc, j'y peux rien. J'ai voulu le faire pour justement faire plaisir aux autres, montrer ce qu'il y avait de nouveau. En fait, la caissière, elle n'a pas voulu. En fait, c'est pas qu'elle n'a pas voulu. En fait, c'est normalement, ils doivent préserver la vie privée des clients. Donc, eux, ils ont le droit de mettre des caméras pour qu'on ne vole rien. Mais moi, j'ai bien dit. Ils n'ont pas le droit de filmer les gens. Moi, j'ai bien précisé que si je faisais. Elle me dit, c'est quoi ça, un vlog? J'ai dit, j'ai une chaîne YouTube, c'était pour faire montrer ce qu'il y a de nouveau dans le magasin Action. Et je suis d'accord qu'on ne doit pas montrer les personnes qui sont dans le magasin. C'est tout à fait logique. Ça, je conçois. Mais au moins, les produits, même ça, on n'a pas le... ils veulent pas, donc... Ils veulent pas parce qu'ils savent qu'il y a des chances qu'on verrait des gens. Et ils veulent pas vis-à-vis de la loi, donc c'est surtout ça. Maintenant, comme il y a des gens qui font des vlogs en cachette et tout ça, ils ont certainement déjà eu... Enfin, elle a dit qu'elle avait déjà eu des problèmes. Qu'elle avait, qu'ils avaient déjà eu des problèmes avec cette histoire, donc... on ne peut pas, on va pas non plus... Non, on ne fait pas d'histoire. Elle n'a pas été méchante dans ce qu'elle a dit. J'ai simplement posé la question, elle m'a dit non, elle dit on peut pas. Elle dit ils ont eu déjà un problème avec une cliente apparemment, donc c'est un peu... Je comprends pas. Je sais bien que tu dois pas filmer les clientes, loin de là, sans leurs accords. Il faudrait qu'ils trouvent une solution pour qu'on puisse rentrer 10 minutes avant l'heure, et comme ça on pourrait montrer les nouveautés. Non, mais, ouais, mais parce que je vois beaucoup de chaînes YouTube, puis il y en a qui vont chez Action et qui filment ce qu'il y a dans les rayons, tu vois. Oui, mais ils le font certainement sans demander l'accord, peut-être. Avec leur GSM, et normalement, on ne peut pas. Non, mais nous, on était honnêtes ce matin. J'ai posé la question. J'ai demandé. Oui, mais on ne fera pas quelque chose qui peut nous faire avoir des ennuis aussi. Ah non, donc, ça nous intéresse pas la pas. Peine c'est, de... C'est une chaîne YouTube, c'est pas une chaîne... Enfin, toujours est-il, ça, c'est de la merde. Pour nous, pas... C'est pas agréable, faut pas dire c'est pas grave. Moi je dis carrément, moi c'est de la merde. Après chacun voit comme il veut, moi c'est de la merde. Le classant caca, voilà. Et bon moi je dirais... Si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air, une petite cloche. Et merci parce que quand on met une vidéo, en même pas 5 minutes, on en a des pouces en bas, ça me fait des vues. Continuez, ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas. Mettez des pouces en bas, ça nous amuse hein. On a le droit de ne pas aimer, mais t'as regardé la vidéo hier qu'on a fait les retours de course. Il y a vraiment des gens... Tu venais à peine de poser la vidéo, on avait déjà un pouce en bas. La vue n'était donc, même pas encore totalisée, donc on avait déjà le pouce. Donc je précise déjà d'avance que si il va y avoir un concours, je voulais préciser, si vous n'êtes pas en mode public... Pour mon concours, c'est même pas la peine de venir sur ma chaîne. Je vais pas vous mettre, vous marquer dans ma liste. Donc, faut vous mettre en mode public. Voilà. Après, pensez ce que vous voulez.
Au revoir. Hein? Au revoir? Non, pas encore? Vas-y, dis encore. Non? Bon, public, n'oubliez pas. Mode public, sinon, next. Ça va, ça, next? Bye. Bye.